À suivre une tempura, un cannelloni. La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité. On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles. Ils ont aimé ou pas? C'est pas la question. Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, bah moi je me casse. Et du boulot, du taf, il y en a. Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte? Oui, salut, c'est Cathy Marie à l'appareil. Bah vas-y, tu me rappelles alors. Je cherche Lorenzo Cardi, c'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Ah mais c'est ici, c'est un foyer. C'est-à-dire? Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. On a un peu extrapolé. Bienvenue au foyer. Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte. Oh. Bonne nuit alors. Tu m'entends quand je parle comme ça? Ah non, à peine, hein. À peine, à peine. Mais quel enfer! Vous avez vu l'état de la cuisine? Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici, ils attendent que ça. On est là! Enfin, c'est pas possible, ils sont combien? Mais je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et des économes, là. C'est quoi, écono? Ils ne savent rien faire. Ben oui. Ça, c'est le cucu, ça, c'est la tétette. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est quoi, ça? Ça, c'est stylé, mais... Non, c'est pas stylé, c'est crade. C'est un chemin fastidieux pour devenir chef. Fastidié égal? Égal, compliqué. Vends-moi ton tataki de veau, là. La croisée des semaines entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. J'ai rien compris. C'est magnifique, ça, non? Comment ça se passe à la plonge? Fastidié, chef. Ah, elle va être lourde. Je le sens qu'elle va être lourde.